toi le Dieu d'amour et de beauté, toi le maître du temps et des circonstances. Nous te prions, Père des races, de bénir ces instants. Nous voulons accomplir ta parole, qui dit que celui qui a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui en manque. Bénis ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu pour expliquer ce que nous allons faire. Et après, nous allons passer au moment de distribution de culte scolaire. Lisons dans la parole du Seigneur, Proverbe chapitre 19, le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dans notre verset, on dit, celui qui accorde la faveur aux pauvres prête à l'Éternel, et l'Éternel lui rendra. Parmi nous, il y a des pauvres. Parmi nous, il y a des orphelins. Parmi nous, il y a aussi des veuves. Dieu dit, celui qui accorde une faveur aux pauvres, il le prête à l'Éternel, qui les rendra. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous recommande les bonnes œuvres. Dieu nous recommande de partager ce que nous avons avec l'autre personne. Il y a certaines bénédictions que Dieu nous donne quand nous pensons aux pauvres, quand nous pensons aux orphelins et aux veuves. Celui qui prête, celui qui accorde sa grâce, sa miséricorde aux pauvres, il prête à l'Éternel. La Bible d'ajouter, la vraie religion consiste à visiter les orphelins et le veuve. Bien aimé, il y a des actes qui touchent le cœur de Dieu, comme l'acte que nous allons ce soir, par la grâce de Dieu, poser. Nous sommes à la rentrée scolaire. Certains parents, faute de moyens, n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école. D'autres n'ont pas pu acheter les fournitures scolaires parce qu'il n'y a pas de moyens. D'autres, leurs enfants sont encore à la maison. Ils sont en train de se chercher. Alors qu'il y a une ou deux semaines, les enfants sont rentrés à l'école. Je dis, c'est lui qui a pitié, celui qui fait grâce, faveur aux pauvres. Il prête à l'Éternel. Que Dieu bénisse notre sœur Esther qui est à Anvers, dont le Seigneur a touché le cœur, qui a dit non. Pasteur, il y a des enfants dans l'église et dans les environs qui ne sont pas entrés à l'école. Je n'ai pas beaucoup, mais le pain que j'ai, je vais partager pour que d'autres enfants rentrent à l'école. Ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu. Ce sont des choses qui parlent devant Dieu. C'est de l'argent. Elle pouvait manger ça. Elle pouvait être là pour d'autres besoins. Mais là, pensez aux autres. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis par les réseaux sociaux et par autres moyens, nous devons suivre des exemples comme ça. C'est un geste qui a beaucoup de signification et qui touche le cœur de Dieu. Jésus a dit, j'avais faim, tu m'as nourri. J'étais nu, tu m'as couvert. Chaque fois que tu as fait
ce geste à un des petits, c'est à moi que tu as fait. Je crois que ce geste que notre sœur a posé, c'est envers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma prière est que Dieu puisse la bénir, que Dieu puisse la donner plus que ce qu'elle a fait sortir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'amène notre sœur Esther qui est en veine. Je te prie de la bénir. Je te prie de multiplier sa semence. Pourvoir à tous ses besoins. Que ses sacrifices puissent parler en sa faveur, jour et nuit. Père des races, combat ses adversaires. Résout tous ses problèmes. Agis dans sa vie. Agis dans la vie de ses enfants, notre Dieu. Manifeste-toi. Tu as dit, celui qui donne aux pauvres te prête et l'Éternel le rendra. Que tu puisses la rendre sensible au nom de Jésus-Christ. Je déclare la faveur de Dieu, la bénédiction de l'Éternel sur elle, sur toutes ses entreprises, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que l'Éternel se souvienne de toutes vos offrandes et qu'il t'accorde les désirs de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous voulons aussi vous présenter l'ONG La Main de Transfiguration. Cette ONG est appelée à aider les pauvres et les malheureux. Nous avons beaucoup de projets. C'est vrai, nous donnons cet après-midi les kits scolaires. Mais il faudrait penser à payer les frais pour ces enfants. Il faudrait penser, certains enfants manquent même à manger. Les habits, nous avons des projets, nous avons des veuves parmi nous qui ont la force mais qui manquent le capital pour faire les affaires. Nous avons parmi nous certains enfants qui sont au secondaire, qui n'étudient pas faute de moyens. Nous avons des prisonniers que nous devons visiter et assister. Notre sœur Karine, qui a été emprisonnée, nous l'avons assistée avec le peu de moyens que nous avions. Et c'est un acte qui l'a marqué. Nous devons visiter les orphelins, les prisonniers, les malades, et les rapporter les secours. Tu es là, tu es touché. Tu peux aussi faire les dons comme a fait notre sœur. Tu peux nous contacter et envoyer ton don. Et nous allons bien utiliser ça. Cet après-midi, nous avons les kits complets pour les enfants. Nous avons les uniformes. Nous avons les couvertures pour les cahiers. Donnez-moi les baskets, les quêtes. Nous avons les cahiers. Nous avons les baskets pour les enfants, les orphelins, les démunis et les pauvres. Nous avons les sacs scolaires à leur donner. Comme vous voyez, c'est l'uniforme qu'on a coupé selon les messieurs des enfants. Nous avons aussi prévu une enveloppe de 7$ pour aider les titeurs ou les responsables des enfants à aller à confectionner les habits, parce que beaucoup d'écoles ont certaines exigences de la couture des uniformes. Nous n'avons pas voulu nous-mêmes faire la couture, mais nous avons voulu consulter les titulaires, les responsables des enfants pour obéir aux exigences des écoles concernant la couture des uniformes des enfants.
nous allons remettre ce kit complet aux enfants. Et cet après-midi, nous allons assister 27 enfants qui vont recevoir des kits complets. Il y a les baskets, il y a le sac pour l'école, il y a l'uniforme et aussi l'argent pour la couture. À ceux qui souffrent par les mots. Jésus nous a laissé cette recommandation. Nous devons toujours nous souvenir des pauvres. Et dans l'église, nous avons gardé cette vision-là. Chaque fois, en tant que leader, j'ai fait des distributions des vivres, des distributions des habits. Et même dans l'église, nous avons instauré, pour ceux qui viennent de loin, les systèmes de paiement, de transport. Ce sont des systèmes toujours sociaux pour aider les gens à demeurer dans la parole de Dieu et à demeurer dans la foi chrétienne. Nous avons besoin des partenaires, des hommes et des femmes de bonne volonté. Et je crois que ces hommes et ces femmes existent. C'est le pourquoi de notre rencontre de cet après-midi. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse notre sœur Esther qui est en verse, qui a posé ses gestes pour les orphelins, les démunis, les enfants abandonnés. Que Dieu puisse la rendre au sortir. Et toi qui veux se joindre à cela, ton don, ton apport est le bienvenu. Que Dieu nous bénisse. Micheline Isolo et Isolo Cyril, venez avec les enfants. On donne aux enfants. Venez ici. Pas de sa image. Pas de sa image. Hein? Que Dieu vous bénisse. Samuel, tu nous promets aussi d'être meilleur à l'école. Tu seras
meilleur, le premier de la classe. Vraiment, merci beaucoup. Lui, il s'appelle Samuel. On va prendre maman. Elle va certainement aussi exprimer ses sentiments étant maman. Face à l'Ikambo et Komina Katia Kumba, il est sur le Kabo. La paix là, maman. Donc, on a dégagé mon tocabonina. Bana pito kabona ba mama mama mbote vraiment mama na mais c'est moi ça c'est mama kaide na makambo ça merci maintenant on passe pour sali et à la soukati et à pe bande et à la de continuer pe ça na c'est pour ma classe na ina ne na rapi na kongisi de mon bala kufaki na zo kumisa nzambe makasi bana ba sibo na ba kwa classe à trois na c'est pour ma classe vraiment ça m'a pambo la côté bon et outi côté nion sotou. Vraiment, merci beaucoup. Merci, on continue. On va prendre encore une autre maman ou un enfant. Ils vont aussi s'exprimer, ils vont exprimer leurs sentiments. Certainement parce que là, on vient de passer, procéder à une petite cérémonie, mais une grande parce que là, ce sont le fournitis scolaire que l'Église a donné aux petits enfants, donné aux enfants. Question de permettre aux enfants d'étudier, d'aller à l'école. Ça, c'est une chose à féliciter et à prendre aussi en compte. Nous allons aussi faire appel aussi à vous, fidèles internautes. Vous êtes un peu partout et de fait partout, vous allez nous suivre. Mais investir pour ces enfants parce que l'avenir de demain, c'est seulement ces enfants. Alors, nous vous demanderons de venir très nombreux à l'église pour soutenir ou soit écrire sur notre page question de faire vivre les œuvres parce que les bonnes choses, les bonnes œuvres ne meurent jamais. Alors, jamais. Merci. Merci beaucoup, continuez. Je suis encore une fois de plus avec un ami. Il va certainement se présenter, pourquoi pas aussi exprimer ses sentiments face à ce petit cadeau qui va certainement faire du bien aux petits amis. Ça va, mon ami? Tu t'appelles comment? Oh, là, tu t'appelles comment, toi? Mais là, il faut le... Ephraim, Ephraim, on te donne des cadeaux. Tu es très, très joli. Hein? Moi, tu dis quoi à l'église? Là-bas, tu dis quoi à l'église? Vraiment, merci beaucoup. Il s'appelle Faïm, il a tout simplement dit merci à l'église. On va prendre aussi maman, les amis aussi vont parler. Bonjour mon ami, tu t'appelles comment? Tu parles à haute main, tu t'appelles comment toi? Tu parles comme moi, tu t'appelles comment? Tu t'appelles? Merci, merci, merci. Tu as maternelle, la première, primaire, deuxième, la troisième, la quatrième. Tu as deuxième primaire? Première primaire. Ah, félicitations, Meji. Meji, on t'a donné les ça. Tu es très content. Hein? Dis merci à l'église. Dis merci. Merci. Vraiment, merci beaucoup, c'était Meji. Voilà, on va continuer comme ça, fidèle. Être avec vous, ça continue. On va parler avec une grande dame, une maman. Elle va aussi s'exprimer face à ces petits gestes qui redonnent le sourire, je crois bien. Vous êtes maman, vous avez vu ce qui s'est passé à l'église, cette petite cérémonie qui a fait énormément plaisir aux petits enfants et peut-être vos sentiments, les enfants. C'est positif, effectivement. Je remercie la maman qui nous a donné un petit cadeau pour nos enfants, pour qu'ils puissent étudier, que Dieu nous protège, qu'il nous donne d'abord leur vie. Et d'ailleurs, donc, c'est lui qui n'est pas ici à Kinshasa seulement. Il partage aussi avec nos amis qui sont d'ailleurs. Kassai, Roma, Nambangi, à la province orientale. Ouais, bah, merci beaucoup. Merci. Ça, c'était le parole du maman. Allez-y, comprendre. Elle est vraiment essoufflée de joie parce que c'est la joie. Les bonnes choses ne meurent jamais. Grande félicitation à cette église. Merci à tous nos internautes d'un peu partout dans le monde, partout où vous allez nous suivre. Nous vous disons, nous vous saluons du nom de Jésus-Christ. Merci d'être branchés, merci de nous suivre. Comme vous savez, nous sommes ici à cette bonne chaîne que vous vous abonnez très massivement. Question d'être édifié, question d'être restauré, question d'être informé. Comme vous savez, fidèles internautes, qu'aujourd'hui spécialement,
nous avons le révérend pasteur qui va certainement, qui nous a fait encore surprise parce que là, on vient de vivre un petit geste, mais qui a transformé notre façon de voir, notre façon de faire et notre façon de rigoler parce que là, ces grands gestes frappent dur et ces grands gestes redonnent le très beau sourire tant cherché par les enfants que par le parent. Sinon, je me mets à dire bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour à vous tous. Ma grande et ma joie par rapport à ce qui vient de se passer. Et nous sommes reconnaissants à Dieu, Dieu qui touche le cœur des gens, pour qu'ils puissent vraiment soutenir leur politique. Alors, l'homme de Dieu, avant que vous puissiez encore développer plus concernant le geste, nous allons d'abord parler de la motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces grands gestes qui va certainement marquer les esprits? C'est surtout l'amour. Et l'amour, parce que l'amour nous a... toujours à penser aux autres. On peut avoir des problèmes, mais il y en a qui ont des problèmes plus grands que nous. Il y en a qui se passent par des moments plus difficiles que nous. Et au travers de ces gestes, c'est marquer notre amour pour ceux qui sont démunis, ceux qui sont orphelins, orphelines, les aider vraiment à bien étudier. Voilà, les aider à bien étudier l'homme de Dieu qui est, comme on l'a toujours dit, de Dieu, qui est derrière vous. Vous avez deux partenaires. Oui, il y a une autre sœur, Esther, je tiens d'abord à la remercier. Elle est à Vers, c'est elle qui a posé les gestes pour soutenir les orphelins et les veuves. Elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit les orphelins et les veuves. Et j'ai regardé à l'épée, j'ai dit non, nous en avons. Elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de soutenir comme si la rentrée. Il y a certains parents qui n'ont pas pu acheter ne fût-ce que les stylos, ne fût-ce que les sacs, ne fût-ce que les quêtes à leurs enfants. Moi, je vais prendre en charge cela. Avec les peu de moyens qu'elle a, elle nous a aidé à assister 25 enfants. Voilà que même la journée de l'institution, nous avons eu beaucoup plus d'enfants. Il y a certains parents qui ont amené leurs enfants, mais avec les peu de moyens, on ne pouvait pas les assister. Donc vraiment, ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu. Parce que la parole déclare que celui qui prête aux pauvres, celui qui exerce la compassion, la miséricorde aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, prête à l'éternel. Et l'éternel le rendra selon son œuvre. Ce qui est merveilleux parce que Dieu va nous rendre. Ces enfants ne peuvent pas rendre à notre soeur ce qu'elle a dépensé. Mais Dieu va la rendre au centre. Voilà, Dieu va la rendre au centre. Fidèle internaute, ça continue comme ça. Il en a aussi besoin de ces petits gestes avec le peu que vous pouvez avoir. Ça peut aider, ça peut sauver l'humanité. Alors, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais sinon, n'est pas oublié avec le même sens.